Bonsoir à toutes, merci de nous retrouver dans cette émission Attitude Live Show, votre émission qui allie donc le divertissement artistique et l'éducation à la citoyenneté et la plateforme de révélation par excellence des meilleurs talents du rap national et international. Et voilà pour ce premier numéro, nous sommes déjà avec un public déjà chaud bouillant derrière qui va se faire sentir. On est là ou pas? On est là ou pas public? Attitude Live Show, c'est toujours! C'est toujours! Et le show va démarrer. Je vous présente le sommet avant que de ce premier numéro. On aura donc comme première articulation Attitude Live Discovery. Nous irons donc à la découverte d'un talent en herbe du rap ivoirien. Et dans cette rubrique, nous allons retrouver Miss Marie Kelsey pour cette interview. Et puis derrière, on aura Attitude Live Battle, vous le savez. Il y a le volet concours, donc ce sera ce volet-là, avec quatre jeunes talents du rap ivoirien qui vont s'affronter ici sur ce tatami. Voilà, ils seront là dans un court instant seulement. Et puis derrière, on aura bien sûr Attitude Live Game, comme vous le savez, cet événement. Cette émission est une émission qui fait aussi les heureux. Et donc, nos partenaires auront donc cet espace-là comme... voilà un espace pour faire des heureux, pour faire des cadeaux. Et donc restez bien en place, vous aurez certainement des cadeaux. On est sortis de cette émission. Et puis on terminera donc avec Attitude Live Guest, avec un invité de prestige qui sera là, avec une prestation haut de gamme, mais également avec une interview à la fin de l'émission pour finir en beauté. Madame, monsieur, voici donc le sommaire ainsi présenté. Restez bien en place parce qu'on démarre tout de suite. Altitude Live Show, c'est ça. Allez, sans plus tarder, ouvrons tout de suite avec Marie Kelsey pour l'interview de notre invité d'Attitude Live Discovery. Et on se retrouve juste derrière Miss Marie Kelsey, à vous. Attitude Live Discovery. Bonsoir à tous, nous recevons sur le plateau d'Attitude Live Show le rappeur OG8. OG8, bonsoir. Bonsoir Mary. Comment as-tu débuté ta carrière musicale? On peut dire que j'ai commencé à rapper dans les années 2015-2016. Okay. Voilà. À l'époque, j'étais rappeur de maison. Je rappais seulement à la maison. Et c'est parce qu'un jour, une camarade de classe m'invite à son anniversaire. J'ai saisi l'opportunité et je suis allé les chanter. Et ils ont aimé. Ouais. Alors, les personnes ont aimé la musique. Il y a eu de bons retours, quoi, de bons commentaires. J'ai fait ça encore une deuxième fois à d'autres événements. Et comme il y avait de bons retours, les gens me disaient pourquoi tu ne lances pas dans une carrière, tout ces autres. Donc j'ai lancé la carrière même en 2016. J'ai eu l'audace d'aller au studio, faire un morceau et j'ai débuté la carrière. C'est un peu l'esprit. Et pourquoi avez-vous choisi le nom OG8? Déjà, en ce qui concerne le nom OG8, le nom OG8 vient d'un... Le OG vient déjà d'un film qu'on appelle Original Gangster. Okay. Un film à l'époque qui m'a vraiment marqué, qui a marqué mon enfance. Et j'ai choisi le chiffre 8 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur. Je suis né le 8e mois 1998 à 8h. Ça se comprend. Hein? Et quelle est ton actualité en ce moment? Bon, mon actualité actuellement, j'ai travaillé avec Vortex Records sur un son qu'on appelle Nessun. Ok. Un son qui est sorti le 8 janvier. On a fait sortir le clip, le son et tout y est actuellement. Et je travaille sur un autre son qu'on appelle CPLMC. Okay. C'est pas la même chose, avec la même structure, Vortex Records. D'accord. Donc tu comptes travailler sur de longs thèmes avec Vortex Records? Et bon, en ce qui concerne le travail de Vortex Records, ils ont sur tous les plans. L'équipe y est, il y a l'esprit de famille, le travail est de qualité. Donc actuellement, il n'y a pas de problème, on travaille. On cartonne seulement. Ils sont à l'aise avec eux. Forcément. Et quel message peux-tu donner à des fans qui te suivent et qui veulent faire la musique comme toi? Bon, ce qui concerne les fans qui veulent faire la musique comme moi, je peux leur dire de continuer de faire la musique, mais tout en restant concentré aussi sur leurs études. Parce que les deux vont de mèche. J'ai été victime de ça, j'ai vu des personnes qui ont laissé leurs études au détriment de la musique. Et puis, actuellement, c'est bizarre, ça n'aboutit pas, tout c'est autre. Donc, on reste dans le registre de musique, mais on continue les études. Quoi. C'est un peu l'esprit. C'est le bon bout qui est là même. Merci d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure pour ta prestation. Merci, Mary. Altitude Live Show, c'est ça. On fait le pour eux.
Voilà, merci à Miss Marie Chelsea pour cette interview de grande classe. Et également merci à OG8 qu'on va retrouver encore plus tard dans cette émission pour une prestation artistique qui sera là pour vous faire montre également de tout son savoir-faire en chanson cette fois-ci. Madame, monsieur, sur les stands, en tant que le maître suprême de cette émission, je suis que je vise, Altitude Live Battle, l'arène des punchliners. Allez, et bien sûr pour démarrer cette étape de notre émission, on l'a dit, hein, c'est une émission, on l'a dit à l'entrée de l'émission, l'introduction, que c'est une émission qui allie bien sûr, l'éducation à la citoyenneté et au divertissement artistique. Et donc, voilà, on traite des thèmes dans cette émission. Et pour traiter le premier thème de cette émission, le thème intitulé donc Jeunesse et responsabilité, nous allons donc accueillir nos deux premiers candidats que je vais demander déjà au public d'applaudir très, 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 très fort. Allez, le premier candidat qui va donc se produire ici sur ce plateau. Bien sûr, de Attitude Live Battle. Il est né en tant que Anani Daniel. Il est âgé de 22 ans, natif d'Adjamé, 220 logements, étudiant en licence 1 de communication visuelle. Il adore le bien cosseux, un plat bien sûr adoré par tous les attirés, on le sait, hein, en Côte d'Ivoire, accompagné de sauce graine. Sa passion pour la musique naît à l'âge de 14 ans. Il commence plutôt sur le style hardcore, avant donc de varier son style, vainqueur de plusieurs compétitions, mais toujours dans l'ombre. Il est auteur de plusieurs titres comme Chauffeur de Baka, Hotmal et Toukou Toukou. Mesdames et messieurs, amis jeunes, je vous invite à accueillir ici et maintenant, sur ce plateau, sous vos ovations, Peking ! Peking ! Maximum d'applaudissements pour lui ! Hey, check, responsable. Jure, check, le défaroncé c'est le docteur. Jure, jeune, être responsable. Check, faut pas changer, reste comme ça. Check, hey, hey, responsable. Hein. Faut pas changer, reste comme ça. Tu sais que la daronne compte sur toi. N'écoute pas ce qu'ils disent, faut t'es là. Qui t'a facilité, y'a rien dans ça. On est des pères, des fils et des maris. On t'a pas la dure, c'est pas blanc. Mais tous les jours c'est la même. C'est la même routine. Faut me mettre Dieu si c'est pas mort. Même si elle veut, je veux pas changer. C'est pas parce qu'on aime le danger. Hey, c'est une situation qui démonte. On attend juste, on a qu'à s'arranger. C'est vrai, t'es jeune, t'es frais. Mais la tienne là, t'es pourri comme un rachis. Ma génération ne veut pas atterrir. Elle veut sauter en parachute. Mon frère, c'est là, il pique. J'ai jamais vu le Père Noël. C'est le cadeau que la vie m'a offert. T'avais dit à 17 ans. Mais elle te dit qu'elle a deux gosses. Il voulait qu'elle la vote. Il est devenu papa précoce. Check. Responsable. Qu'est-ce que t'appelles être responsable? Hey. Responsable. Qu'est-ce que t'appelles être responsable? Faut pas changer, reste comme ça. Faut pas changer, reste comme ça. Faut pas changer, reste comme ça. Tu sais que la daronne compte sur toi. C'est ça. Check ça, public, est-ce qu'on est chaud? On est là ou pas? On est là ou pas? Altitude Live Show, c'est toujours? C'est toujours? Apparemment, les voix ont commencé à se dégrader derrière. Alors, on va applaudir encore très très fort notre premier candidat, Mr. Baking. Allez, le deuxième candidat à se produire ici, donc, sur cette piste, s'appelle Kwasi Kan Axel Caliste. À l'état civil, il nous vient de la Riviera Bonoumé. 2019 marque le début de sa carrière artistique. Il a sorti quelques singles, dont celui qu'on retient, Et puis tu parles. Challenger dans la peau, il espère un jour devenir le GOAT du rap ivoire. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, trêve de commentaires, voici à présent, sous vos ovations, Moun Feli. Hey, hey, ça dit quoi, famille? Voilà, je suis très content d'être ici avec vous. En tout cas, merci à tout le monde, merci pour tout ce que vous faites. Hey, voilà. Hey, hey,
ça sera. Hey, hey, ça sera dit que je vais faire du sale. Je vais faire du sale, je n'ai plus responsable. Je n'ai plus responsable, ça sera dès que je vais faire du sale. Je vais faire du sale, je n'ai plus responsable. Je ne joue plus dans ça, ça sera dès que je vais faire du sale. Je vais faire du sale, je n'ai plus responsable. Je ne joue plus dans ça, ça sera dès que je vais faire du sale. Je vais faire du sale. Hey, en toute chose il faut God. Y'a que lui qui nous guide. Je les laisse à l'écoute. Mais en vrai c'est des geeks. Je ne joue plus dans ça. T'as nourri la famille. Je veux pas beaucoup d'amis. Ce qui compte c'est la famille. Beaucoup de liasses, Harry, beaucoup de liasses. Tout le temps dans le business. Je serai fier quand tout sera ice. Beaucoup de liasses, Harry, beaucoup de liasses. Tout le temps dans le business. Je serai fier quand tout sera ice. Harry, Harry. Non, t'en fais pas le voyou. Organise bien ta vie et vis ta vie comme tu le veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, t'en fais pas le voyou. Organise bien ta vie et vis ta vie comme tu le veux. Ça sera dès que je fais du sale. Je vais faire du sale. Je n'ai plus responsable. Je ne joue plus dans ça. Ça sera dès que je fais du sale. Je vais faire du sale. Je n'ai plus responsable. Je ne joue plus dans ça. Mesdames et messieurs, amis jeunes de Montpellier. Montpellier, est-ce qu'on peut la clamer très 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 fort? Ah oui, c'est chaud, hein. C'est chaud, n'est-ce pas, public? C'est chaud, non? C'est chaud. Est-ce que les supporters de Montpellier sont là? Est-ce que les supporters de notre premier candidat sont là, Mr. Baking? Allez, ils sont tous là, ils sont tous chauds. Mais remarquez notre première halte dans cette émission. Vous le savez, on l'a dit, c'est une émission également de prestations d'artistes. Et notre artiste qui est avec nous ce soir pour nous gratifier de prestations, c'est lui, OG8, qui était tout à l'heure avec Miss Marie Kelsey. Il va nous gratifier de sa belle voix et d'une belle prestation. Si vous le voulez bien, sous vos ovations, j'appelle ici OG8. Il arrive, on la voit la clame très très fort. OG8, produit du label Vortex. OG8. Ok, c'est comment en famille? Calé, non? Ballon, plat, Cali. La régie, allô, la Cali. C'est lui qui boit là, qui se saoule. T'as vu casier, tu peux pas, mais t'as regardé, yeux de fou. Il voit 66 bouquets, tu as cassé, tio, cassé, vert, attrapez-le, oh. Attrapez-le, oh. Attrapez-le, oh. Attrapez-le, oh. Attrapez-le, attrapez-le. Let's go. Si on est une G8, on G8, on G8, je m'appuie. Doublé, 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 doublé. Doublé, 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 doublé. La Cali 5ème conscient, au ciel c'est essentiel. La Cali 3ème conscient, au ciel c'est 400. La Cali 4ème conscient, au ciel c'est 500. Donc y'a 600. Au quartier, un discours inutile. Vraiment, cette vie m'intimide. Avec sa faute, j'en finis. Un jour, premier ministre. Depuis que j'ai fait du bifle, on raconte que c'est fétiche. Hey, t'es un boule donc tu parles dans le billard. Après tu donnes ma monnaie comme au dia. Le rap j'ai appliqué mon oussia. Tout ça y'a comme au dit j'ai fumé cigare. Propriétaire de fil à la lune et du bas. On te hait à la SCPI, CPI, petit faut te taire. Quand t'es malade et qu'on veut pas dire ça. De quoi que le kiffe ça, non faut pas te fâcher. Non faut pas te fâcher. Ils ont volé mon coupon, ont volé mon argent. Lui je veux me fâcher. Lui je veux me fâcher. Lui je veux me fâcher. La Cali ancienne, ancienne, l'océan c'est 200. La Cali ancienne, ancienne, l'océan c'est 400. La Cali 400%, l'océan c'est 500. Donc t'as 600. T'as 600. La Cali 500%, l'océan c'est 200. La Cali 100%, l'océan c'est 400. La Cali 400%, l'océan c'est 500. Donc t'as 600. Oh, Gaoula. Altitude Dev Show, c'est ça. Maximum d'applause pour OG8. Il est bon ou pas? Public, il est bon ou pas? Il est bon ou pas? Il mérite plus que ça. Apportez-moi des applauses pour 200. Madame, monsieur, on va sans plus tarder passer à la seconde phase de
ce battle. Voilà, et on va passer donc au second thème de notre battle. Le second thème, je le rappelle, c'est réconciliation et paix. Ils seront également deux à traiter ce thème-là. Et je vais faire appel, sans plus tarder, au premier candidat pour ce thème qui va venir ici. Notre candidat se nomme à l'état civil Nda Pierre Davila, âgé de 17 ans, il est ivoirien natif de Port-Boué, élève en seconde A2. Voilà, il est passionné de basketball et de jeux vidéo. Il aime manger le couscous accompagné de sauce légumes en tant que bon ivoirien. Voilà, il n'a encore sorti aucun son officiel, mais il est très très talentueux, madame, monsieur. Et j'en veux pour preuve à présent sa prestation sur cette piste. Altitude Live Battle, l'arène des punchliners. On va quand même être très fort pour recevoir Mister. Mister Meister. Merci à tous, merci à tous. Je voudrais vous remercier pour votre présence et remercier aussi le staff. C'est tout. Merci. Yeah. Ah. 2005, tu dois apprendre. Ah. Yeah. Ah. Mr. Pop. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. L'on a trop souffert de ces guerres, de nos pères qu'ils ont tués. J'suis tout seul dans le noir, je repose sans me suicider. Mais maintenant je veux la paix, plus sans me soucier. Et si les portes s'ouvrent, j'irai pour réconcilier. Tu sais, moi j'en veux à personne, aucune idée quelconque. On se serre la main, tout va bien et c'est fast. Quand je vais éduquer la street, maintenant comme personne. Tout au fond de moi, je le sais, j'ai des questions. Comment bien je m'envole vers d'autres horizons. Et si la paix existe, j'irai la chercher d'ailleurs. Personne ne pourra m'arrêter, ils veulent tous me stopper. Quel que soit l'obstacle, je ferai tout pour surmonter. Loin de moi la guerre, je ferai réconciliation. Mais qu'on en a marre, plus d'extermination. La rue c'est la jungle, t'es faible, tu te fais descendre. Nous on veut la paix tous les jours comme en décembre. Boum, j'ai toujours un coup d'avance sur tous mes adversaires. Pendant qu'ils se butent, moi je sirote du bon lait. D'où vient toute cette rage et tous ces ressentiments? Je m'approche de la plage, maintenant je me sens vivant. Ici il y aura la paix et je compte bien l'installer. Parcourir toute la terre en espérant l'attraper. Véritable mission pour tous ces affamés. Il n'est pas au pas. Il n'est pas au pas, Popmeister. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Notre troisième candidat dans cette battle, mais le premier pour le deuxième thème. Voilà Popmeister qui vient donc nous gratifier de cette belle prestation, mais c'est pas terminé. Le deuxième candidat à se produire sur ce même thème, voilà, c'est bien sûr l'état civil, Bayala David, âgé de 23 ans. Il est donc, il nous vient de Angré, Nouveau-Su. Et bien sûr, il a commencé le rap à l'âge de 18 ans. Il est aussi pétri de talent, tout comme ses prédécesseurs, mesdames, messieurs. Accueillons à présent Mr. Vido Binks. Vido Binks. Hola, c'est la magie noire, le flou est clair, hein, c'est tchatchou et savon noir. Vido Binks, Vido Linké, tout ce qui est noir. DJ, c'est quand tu veux. Ah. Bon, moi, j'ai gratté mon test ici, hein, à Altitude Live Show, donc là, enfin. Voilà. Okay, ah! On t'est pas des pères, toi tu parles des gays. Et t'es pas. Ah! On t'est pas des pères, toi t'es pas des gays. Par ça, est-ce que t'es pas. Oh, laisse mon père, la gueule a cuit, mais faut lui demander si elle s'est préparée. On dit de faire la paix, toi. Mettre que la guerre à la maison. Oh, mon ami, dis-moi, y'a quoi? Pourquoi tu poses toutes des questions? Il est minimal, il n'y pas le peu du mal. Je vais t'arriver, donc forcément, je fais que du mal. On dit fait la paix, toi, tu veux quoi? On dit paix, paix, réconciliation. On n'a pas de chaussures avec réconciliation. On dit paix avec réconciliation. Vido Binks, Vido Linké. Noir, noir, Binks. Vido Binks, est-ce qu'on peut la calmer très très fort? Waouh, 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 quel flow! Quel flow, c'est très chaud, j'imagine! Au niveau donc de nos membres du jury, ça va vraiment chauffer dans ce concours. Madame, messieurs, on va marquer encore une halte avant donc de passer à la seconde phase de ces battles. Et on va procéder à notre Altitude Live Game à présent. À préparez-vous. Altitude Live Show, c'est ça. Je vais demander à notre équipe de m'envoyer deux canettes. Deux canettes avec lesquelles on va jouer ensemble avec notre public. Public, on est là ou pas? On est là ou pas? Attitude Live Show, c'est toujours
Altitude Live Show, c'est toujours. C'est toujours. Altitude Live Battle, l'arène des punchliners. Allez, on va passer à la deuxième phase de notre battle. Et cette deuxième phase s'appelle donc le Battle Freestyle. Voilà, Battle Freestyle, et ils vont encore se succéder ici sur cette piste. Je vais les appeler encore par ordre, par le premier ordre. Hein. On va commencer par Mr. Baking pour son freestyle. On va l'accueillir à nouveau au public. On va l'accueillir à nouveau, Mr. Baking. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On l'acclame très fort. Altitude Live Show. Yeah. Hey. Donc tu vas et puis tu viens. Hey. Check. Hey. Ma chérie. Je t'appelle, non, viens ici. Hey. Viens causer avec toi. C'est comment? La 22 juin. Hey. Check. Le défarosé, c'est les noctans. On a fait face. Hey. Check. Ma chérie, bonsoir. Marié ou célibataire, y'a comment ta peau m'est glacée. On dirait que t'es né dans le réfrigérateur. J'étais là la peau avec mes frères sans discours de suspect. Et puis Kadia, un coup quand mon cœur s'est coupé, ta beauté m'a donné une crise cardiaque. Je peux plus même respirer, j'arrive plus à m'exprimer. Si elle donne ta photo à mon ex, elle va crier tchéi, elle va venir s'excuser. Esquisse et puis formidable, suis toi aucune cicatrice. En plus, tu as la forme guitare. Pour toi, il peut devenir guitariste. Je sais que t'es pas une gomazo. Même pourri, tu as ta façon. Je sais que beaucoup te font la coupe. Mais pour toi, il peut devenir maçon. T'es fraîche comme poupée boutchou. Sardine mélangée à tchoukou. C'est vrai qu'on est dans tant de pluie. Mais c'est toi qui m'as donné le coup de fou tchoukou. Donne-moi ton numéro, ma chérie. Donne-moi ton leadership. Hey. Le défaloseur, c'est les noctans. Yeah, check ça, check ça, check ça. Maximum d'applause pour lui, Mr. Baking, pour son freestyle. Est-ce que vous avez kiffé, public? On a kiffé ou pas? On a kiffé ou pas? Altitude Live Show, c'est toujours? C'est toujours? Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec notre deuxième candidat dans cette battle. Vous avez vu sa première prestation. Ça a été du haut niveau, ça a été du haut level. Il viendra pour... sa seconde prestation, cette fois-ci en freestyle. Accueillons à nouveau Wolfeny. On l'acclame très fort, s'il vous plaît. Aïe. Bon. Hey. C'est pas ici t'as montré ce que t'as dans le ventre. On sait que c'est caca. J'entends de moi, ils vont parler seulement. C'est Babi à Dakar. Premier couplet, il a sifflé seulement. Il a crié à Bata. Lui, il a dit que si il fait ça salement, il sera pas débat. La concurrence, c'est maïs. Il est moyen sans popcorn. Elle dit qu'elle s'appelle Anaïs. Elle fait poco bacon. Chacon, protège mon dessin. Et quoi, ta main s'appelle Alette. On t'a buté pour toi, c'est la fin. Mon regard est rempli dans la mallette. Velle, yeah. Pendant que les petits sont gamés, moi mais les pieds, viens pour les massacrer. Tu mens, tu t'en vas à l'église, mais tu ne connais pas un verset de la Bible. La petite te dit que tu n'es pas garçon, que t'as pas le diable, des fois ça m'en façon. Que dans ma gamme, de toute façon, façon, tu me cherches, tu me touches, un mauvais garçon. Elle m'a vu sortir de l'eau, elle a crié. C'est des rimes dans mon corps, je suis inspiré. Moi je pense que dans l'état pour les niquer. J'ai battu tous les records, vous faites pitié. Gang, aucun rappel ne parler, je vais les étaler. Si le seul, sur le trône, du coup, je vais décaler. T'as pas le choix de moi, tu seras genou, t'as les licences sans nous. Il dit, ils sont forts, moi, il vient, pied, genre, celui qui s'amuse, il est mort. Pas besoin de parler, j'ai touché la petite, j'ai bouffé son argent, j'ai couru ton sourire. T'as pas l'argent, tu veux les mousses jolies. La reine en face devant moi, tout est maïs, j'ai fumé des rappels, ils sont allés au lit. J'ai bu, j'ai ça, on me dit, je suis un poli. Hey. Ah! On dit artiste et puis à rappeur, c'est pas la même chose. Hey! Vidéo Benz, vidéo Linky, check ça. Ah! Morgani, quand tu veux jouer, jouer, y'a les gars, y'a les terres de ma petite fois, c'est moi que tu veux te rendre. Quand tu la fais, tu viens négocier, là, y'a les textes, 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 c'est pas qu'elle est fumée, voyage, c'est vous rappeur, le petit est tracé, l'avenir est direct. Si tu vois, t'as pensé que c'est rec, y'a cassé pour on dirait que des calis, tu sais pas ouais, tu sais que c'est pas mal. T'es fait un alphabet, on dit tu sais pas lire, mais je peux réfléchir. Et pas si toi t'es bien, faut pas tes règles. Tu sais comme ça, c'est pas rigolo. Les tu fais pas comme un bébé des pressés. J'ai dit ça que t'es la bonne gamme. C'est forcé, forcé, forcé que t'es testé. Comment passer, tu protèges. On dit sur un goût, tu mets moi et pote les gars. Président de toi, plein de arrêts, tu penses. Penser, c'est pas de chèque que toi, tu es. Faut pas oublier de penser. Chérie Coco, on sait que ta gros pourtant tu sais pas préparé. On veut la caméra très très fort. Vito Bix,
Vous avez aimé ou pas? Vous avez aimé ou pas? Altitude Live Show, c'est toujours. C'est toujours. Et on continue le show, mesdames, messieurs. C'est terminé pour la battle dans cette émission. Mais il y a encore de belles choses pour vous. On a dit que nous sommes avec un artiste avec nous ce soir. Il nous a gratifié d'une belle prestation tout à l'heure. Et cette fois-ci, il vient encore pour du lourd. Mesdames, messieurs, amis jeunes, est-ce qu'on est prêt pour accueillir ici Mister OG8? OG8! Plus d'applaudissements que ça, s'il vous plaît, pour OG8! On se met en petit couteau dans un couloir. Ça agresse, ça agresse. Et vise pas les pieds, et vise la tête. La tête, la tête. Ma copine vu que j'ai des billets. Elle veut qu'on passe reposer. Viens d'Avignon, Abidjan, Paris. Y'a que ta chaussure qui est déboulée. Y'a les dires, des dires, les dires, des dires, des dires. C'est pas la même chose. Y'a le goût que maman à la maison, y'a le goût des dires. C'est pas la même chose. Et fais ça, et fais ça, et fais. C'est pas la même chose. Et fais ça, et fais ça, et fais. Mais c'est pas la même chose. Même quand t'as pas là, faut être fin. Faut te laver, frais sang. Elle m'appelle pour me brailler, lui dit allô. Faut te taire, ta poussant. Et puis plus le même artiste s'est changé. Bien chanté, elle mal à la tête. Tu comprends pourquoi l'artiste mérite ses cachets. Yoann Scoop, tu rap une fois. Quand je trouve ma chanson, y'a esprit de vol. Y'a ceux qu'on email, y'a ceux qu'on bombe. Mais si tu veux le paix, faut avoir le lait. Y'a un parent qui s'approche d'elle. Écoutez comment elle va lui répondre. Moi j'aime pas tête maquille. Attends! Y'a les dires, les dires, les dires, les dires, les dires. C'est pas la même chose. Y'a le goût de maman à la maison, y'a le goût des dires. C'est pas la même chose. Et fais ça, et fais ça, et fais. C'est pas la même chose. Et fais ça, et fais ça, et fais. Mais c'est pas la même chose. Et ça fait 11 8 11 8 Max, vous avez un peu plus de temps pour lui, s'il vous plaît. 11 8 avec cette belle voix et ces textes qui nous font vraiment du bien jusqu'à l'âme. Ça touche l'âme, hein, ces textes. N'est-ce pas public ? N'est-ce pas public ? Vous êtes à Attitude Live Show et ici c'est toujours ! C'est toujours ! Nous sommes pratiquement au terme de cette émission de ce premier numéro et nous allons faire appel à nos quatre candidats. Allez, ça a été un bonheur pour nous de vous servir. Notre cette émission va marquer certainement le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire parce que ça sort de l'ordinaire. Voilà. Votre street show qui va forcément faire parler de lui parce que c'est venu pour révéler ces talents-là, ces talents qui étaient cachés jusqu'ici, ils seront désormais révélés. On a été très heureux de vous servir depuis chez vous, madame, monsieur. On espère que le plaisir a été partagé. Appelez-moi tout simplement Mister Joël Sensé. À très très vite, au revoir. Qui peut t'aimer dans ce monde que toi-même? Et des sacrifices que tu peux faire pour toi que personne sur cette terre ne fera pour toi. Les lames de la vieille me blessent au cœur. Elle dormit dans la cuisine, dans le fauteuil. La galère m'a donné une autre caresse. C'est serré, je sais, c'est serré. Souvent là, je pense que je suis.